Salut, on se retrouve pour un nouveau match de Twilight Struggle. C'est dans le cadre de la Ligue française et ce soir j'affronte Laurent Jouin. Ah, attends, on a le blocus. De Gaulle aussi. Ouais, j'ai des cartes 4, on va rester. Mais j'ai pas de. Le problème, c'est que j'ai pas de headline. J'ai pas vraiment de headline. Pourrais mettre 4 en France, faire le blocus en headline. Là ça me fait mon. Ah non, sinon je fais Japon en headline. Ouais, allez. D'ops, mais bon. Que je garde le blocus pour le tour d'après. On va voir ce qu'il fait comme coup d'état. J'imagine en Italie. Ouais. Ouais, ça va, il n'y a pas grand chose. Faudrait que je mette deux au Pakistan. Comment je réponds au mieux à ça? Parce que là, il va taper sur le Pakistan et j'ai pas l'accès à la Malaisie. Est-ce que j'ai envie de mettre. J'ai quand même envie de mettre le point en Malaisie. Je mets un point au Pakistan. Allez. Il a l'air d'avoir le décompte en Europe. J'aurais pu mettre un point en Italie aussi. Il a fait 1 sur le dé, hein, ouais, on a eu de la chance. Ouais, oui. Il veut prendre
prendre. Je pense qu'il veut prendre la France, il doit vraiment avoir l'Europe. Il aurait pu le mettre en headline, hein, son la décolonisation. Je suis assez content des deux points de victoire que je viens de choper. Si je peux faire un gros coup d'état avec Nasser, ça serait cool. Donc on va garder le blocus pour le tour d'après. Hein. Il a joué pas mal de cartes rouges là. Il a bien poussé en France. Est-ce que la crise de Suez? Ah, ça c'est gentil, le point en France, je le prends volontiers. Ah, il y avait l'Angola aussi. Ah, j'ai vraiment pas les ops pour aller en Angola. Et donc il avait pas l'Europe. Surprenant. Vu comme il a poussé sur l'Europe là. Après c'était peut-être dans la logique, voilà, j'ai gouvernement socialiste. Il avait l'Europe. Bien sûr qu'il avait l'Europe. C'est moi qui ai la crise de Suez. Très bien. J'ai
quand même eu deux cartes 3, 4, mais lui aussi, il a une carte 4 et beaucoup de 3. Il avait plus d'ops que moi. Bon, là, qui joue le décompte en Asie ou la purge, mon défecteur il est très bien. Ou capture des scientifiques nazis. Je pense qu'après son coup d'état, j'irai prendre la Corée du Sud. Vu que j'ai la guerre de Corée que je dois envoyer dans l'espace. C'est pas simple. Hein. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il ait le décompte au Moyen-Orient s'il a pas joué, s'il a pas fait le coup d'État au Panama. Ça fait quand même bien chier de pas avoir eu les points en Europe là à cause de plan quinquennal. S'il a des décomptes, ça me va quand même. Hein. Et pas reprendre l'Iran, c'est vrai que c'est à cause de la guerre indo-pakistanaise, c'est ultra tendu. Ah, oh, je fais 6 sur le dé. Relou. Allez, t'as pas le droit de faire 6, hein.
vraiment pas de chance. Qu'est-ce que je fais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai beaucoup de cartes 1. Potentiellement, il a eu la CIA, faut pas que j'oublie le Panama ou Costa Rica. Ouais, parce que là, il a plus de cible pour ses coups d'État. Je pourrais réaligner à Cuba aussi. J'ai pas de chance sur le dé, hein. J'ai pas eu beaucoup de chance. Donc il a eu la CIA. Donc potentiellement je vais avoir le premier coup. Il a eu la guerre israélo-arabe en plus. Donc me laisser le premier coup, ça il s'en moque, il y a eu le décompte en Asie. Containment évidemment. Donc, il faut que je joue en vitesse mes cartes 4. Il a clairement eu les ops, hein. Ouais, surtout la guerre indo-pakistanaise qui renverse tout, hein. Sans gagner cette guerre, c'était pas la même. Là, ça lui fait énormément de points de victoire. Si je prenais Iran, Afghanistan, lui de la Corée, je conservais le Pakistan. Ça fait quand même 4 points d'écart et tout. Bon, ok, ça fait un peu du bien. On avait besoin de ces points. Envoyer la destale dans l'espace, ça aussi on en a besoin de ces points. Moyen-Orient, c'est vrai que ça me coûtait cher. Hein. On va voir quand est-ce qu'il ressort. Déjà, j'ai de la chance, l'Asie est sortie qu'une fois, c'est ma région faible.
Il a eu la guerre de Corée. Ah, il avait le NORAD aussi. Et il a eu le NATO. J'ai bien vu. J'ai bien vu Relations spéciales. Hein. C'est vraiment pas très bien engagé tout ça. Il faut que je parte dans l'espace avec déstabilisation. Mais là, le bloquer Nora des relations spéciales. Bon, après, il peut toujours faire relations spéciales sur. Avant le NORAD, mais. Avant l'OTAN. C'est ce qu'il fait. Putain, sérieux? Oh là là. Putain, j'ai vraiment pas de chasse. Hein. J'ai rien eu. Super, Jeux Olympiques quoi, le truc à plus 2. Relou. Oh, il déclenche pas l'événement. Cool. Ah, il déclenche celui-là, oui, pourquoi pas. C'est pas bête. Le 6. Wouhou! J'ai quand même essayé deux fois avant lui hein, la course à l'espace. C'est abusé. Et en plus j'ai contrecarré de capture des scientifiques nazis. Ça peut difficilement moins bien se passer pour lui, hein.
auberge, on a l'arrière-garde coloniale. On a des trucs. Commencer par une purge. On a le Camp David. On a Favir Plane. Faire attention avec Favir Plane parce que deux Cancover sont pas, c'est pas passé. Qu'est-ce qu'il a pas joué d'ailleurs au coup d'avant? L'OTAN. Il fait chier. Moi j'ai envie qu'il joue l'OTAN. Pour me rassurer en Italie. Parce que là, pas trop serein du coup. Faut que je prenne au moins l'Espagne. Alors, et avec l'arrière-garde coloniale, on a le Laos, la Thaïlande, le Zaïre, Nigeria. J'ai tellement perdu s'il est c'est 12 points d'avance, c'est tellement énorme. C'est parce que j'ai pas eu mes 5 points de Europe. Oh la vache, le bâtard. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. De le mettre aux Philippines, mon point, j'aurais pu le mettre en Espagne. J'ai pas pensé à Rochefort, j'ai pas pensé à compter ce qu'il avait gardé. Oh, j'étais bête. Ceci dit, c'est la guerre au Pakistan qui lui donne tout. Ça lui a fait. Donc, déjà 2 points parce que j'ai pas le Pakistan. 2 points parce qu'il gagne la guerre. Plus les 4 points de domination, ça fait 8 points. Moi j'ai peut-être pas besoin de mettre beaucoup en fait.
S'il me fait un coup d'état au Liban, ça peut faire très mal. Il a fait combien sur son putain de dé là? 4. Quel casse-couille. Voilà l'OTAN. Très bien. Donnez-moi des jets de dés corrects quand même. C'est pas un jet de dés ça. Allez, rate, tu peux faire 1. Bon, 2, c'est pas trop mal. Casse-couille. Je le hais. Réaligner à plus 2 quand même l'Angola deux fois avec Portugaise. Peut-être avoir un peu de chance à un moment donné, non? Par une course à l'espace.
Carte 1. CIA et capture nazi. Ah si, il a eu Truman. ABM tout ça, je suis mort. Et en plus il garde la carte Chine. Ah non, il la garde pas. Bon, ça. Putain, mais sérieux? Si, il y a toujours le traité ABM. Ça, je dois pouvoir m'en... Il y a Junta aussi. Ok, je peux mettre Nuclear Subs. Redline. Island. Encore que c'est pas catastrophique, hein. J'ai eu le décompte en Europe, je devrais pouvoir le décompter quand même. Nuclear subs avec portugais, ça marche plutôt bien quand même. Oh, j'ai eu un 6. Je vais probablement jouer la carte Chine assez vite vu ma main. Pourquoi pas pour faire un coup d'état aux Zaïre. Si la brochoir qui a réussi son bras, je suis sûr qu'il a brochoir. Pour ça qu'il l'a joué comme ça. Et les Nations Unies, on l'a pas vu passer encore. God willing, that goal will be achieved. Cool.
On est content d'avoir cassé l'Égypte. Que j'envoie Willy pour rentrer dans l'espace. C'est ça la question. Il a pas l'air d'avoir Hunter. Hein. Il a peut-être. Oh. C'est tellement une blague. Il a peut-être Panama ou AS. Problème, c'est que moi j'aimerais jouer Brezhnev en la fin, quoi. C'était ce qu'il me fallait, hein. Je peux pas jouer YouTube, YouTube. Trop dangereux. Avec We Will Bury You. Ceci dit. L'intervention des nations unies n'est pas passée. Peut-être que pour We Will Bury You, ça va le faire, je sais pas. Grain de sel, c'était pas mortel pour lui. Enfin, et puis me débarrasser de la carte chaîne alors que j'ai Lone Gunman. Ça fait pas plaisir. Wow, il reste une carte 4. Bah, pourquoi tu fais ça? Je peux toujours faire un coup d'état, moi. Duck and cover, mais il y a We Will Bury You qui traîne. Et en plus, il voit mon headline. Putain, je peux pas jouer. Si je peux dégager We Will Bury You, c'est mon seul espoir. Hein. Il reste toujours Traité ABM qui rôde.
Il me fait pas trop mal pour le moment. Rushoir peut faire un peu mal. Putain, il a eu tellement de bonnes cartes. Les cartes 4 rouges sont pas passées. Il a quand même eu plus de cartes 4 que moi. Hein. Toujours le décompte en Asie du Sud-Est. Oh là 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 là. Le Nigeria, il égalise, ça fait que un point de vie perdu en Afrique. Bon, moi je suis pas resté dans le piège. On ne peut pas y prendre l'Argentine et le Nigeria, ça c'est cool. Je fais mon coup d'état. Il a eu les cartes 4, hein. Et j'ai pas eu mon VOE, moi. Nixon, j'aimerais bien le jouer pour l'événement, pour avoir 2 points de victoire. Les voix c'était pas encore là. Hein. Il est pas dans sa main. Il arrivera que au tour 7. C'est abusé. Ah, il a quand même quelques faibles cartes de temps en temps.
Donc je vais pas pouvoir le garder pour le tour d'après. C'est vraiment fou. Comment je la joue? J'ai pas passé. Ça c'est pas passé non plus. Tellement perdu. Mais des comptes qui sortent pas, là, je peux rien faire. Si je peux gagner la guerre. Gagner une brochoire en Thaïlande. Pas de course à l'espace. Ah, il fait pas l'événement du Tché. Bon, ça changera rien. Ah, je peux avoir un. Ah, je pouvais avoir ça. Où il a eu il a eu Asknot. C'est même pas moi qui l'ai eu. Faut des 6 sur les guerres. Quand même eu Alliance for Progress. Ça peut retarder un peu l'échéance. Il a eu Mao. Il y a eu le retour du canal de Panama. Oh putain. Bien joué. Putain, j'ai tellement pas eu de chance. C'est pénible. Hein. Il a tout eu. Il a même eu ça là. J'aurais pu l'avoir pour faire ma première case. C'est tout du long, t'as eu de la chance.
Putain, il a eu VOA et tout. Et il a eu la... Je sais pas ce qu'il avait comme meilleure carte. Bah puis même pire trap quoi. Ouais, je sais que tu... J'avais une main ignoble. Peut-être j'aurais dû faire alliance. Pff, ouais, j'arrive. Ouais, ce knight c'était vraiment pas le bon. L'envie du missile, mais sur coup d'état. Ouais. Brush, brush chanceux en Thaïlande. Pouh. Ouais, peut-être que j'aurais dû tenter un brush chanceux, mais pff, je perdais l'Afrique, quoi. Ouais, bah... 2, 4, 7. C'est énorme. C'est tellement énorme. Avec des si. Merci d'avoir regardé et puis bah, à très bientôt.